Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Soso. Alors aujourd'hui une petite vidéo que je vais faire pour vous présenter un produit que je vais faire en duo avec Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch. Donc on a décidé de le faire ensemble. Elle avait lancé un appel sur sa chaîne pour savoir qui était d'accord et motivé à faire avec elle une toile. Il s'avouerait qu'on avait la toile là ensemble. C'est le chat au dollar. Ça fait rêver. Il ressemble beaucoup à son chat Lulu, la Lulu. Du coup, on a décidé, enfin Jackie a surtout proposé de faire Sika, ce qui me va relativement bien, puisque je m'étais engagée à faire le sale de ligne et franchement, je n'ai pas suivi. C'était vraiment trop. Je n'ai pas eu le temps. Et puis, en force de se mettre la pression et de vouloir à tout prix finir, on s'en lasse en fait. Du coup, le projet à cette heure-ci, il est un peu de côté. Alors, je le reprendrai, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis arrivée à saturation. Donc du coup, quand elle m'a proposé 6 cases, je me suis dit, oh bah là, il n'y a pas de souci. Donc elle a compté, hein. Alors elle qui adore les chiffres, qui adore tout ce qui est organisation et tout, on en aurait jusqu'au 13 août. Donc voilà, en PKA, moi ça me va très bien. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je pense de toute manière, dans le pire des cas, elle va faire aussi une vidéo sur sa chaîne. Et puis bah régulièrement, je vous ferai une vidéo pour vous montrer l'avancée, puis peut-être que même on essaiera de se faire une après-midi broderie avec Jackie où on se filmera et on prendra ensemble un petit thé. Voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc c'est la compagnie dit High Cross Stitch. Alors, c'est du 11 CT. Ah, je l'ai pas ouvert. Hein. Je l'avais pas ouvert. Oh là là. Allez donc. Désolée pour le bruit. En même temps, je sais pas, il y en a plein qui n'aiment pas le bruit du papier. Alors moi, je le kiffe. J'adore. Donc, le voici. La bête. Dit Lulu. Franchement, Jackie, hein, si tu regardes la vidéo, je pense que tu vas la regarder. Si ta Lulu, elle te rapporte autant de dollars, je te jure, mais je pense que tu vas pas vite la retrouver. On va la prendre chez nous. Voilà, donc il y a les fils, alors forcément, ben, hein, c'est, ah ben, il y a beaucoup de noir, hein. Je vous montre un peu, il y a beaucoup de noir forcément, parce que le fond est noir, le chat est noir, et donc c'est tout des couleurs foncées, hein. Là pour le coup, on est dans le foncé, on est en hiver, vu le temps qu'on a, voilà, ça donne pas trop envie de faire des fleurs. Alors, on a le petit patron, donc le diagramme. J'arrive même pas à voir le chat sur le diagramme. Bon, après, c'est bien imprimé, hein. C'est sur une feuille plastifiée. C'est bien imprimé. Les symboles sont clairs. Il y a quand même des pâtés, mais il y a quand même pas mal de petits confettis. À côté de ça, il y a 24 couleurs. Voilà, c'est une 40 sur 50, 129 points sur 173 points. Voilà. Et la toile. La toile, elle est flashy, elle pète. Hein. Là, on verra vraiment bien les... Voilà, on voit très bien les symboles et tout. Il y a deux aiguilles ici. Par contre, ce n'est pas surjeté. Alors là, ça va parce que... Ben non, ça ne va pas non plus. Là, le début, ça allait, il y avait le reste de la toile. Mais là, rien n'est surjeté. Et je vous avoue, je suis feignasse pour faire ça. Je déteste surjeter les toiles. C'est un truc de malade, je déteste ça. Donc, du coup, on a décidé de faire 6 petites cases. Là, ici, comme vous voyez ici, ce n'est pas une case complète. Donc, on la fera, quand on décide de la faire, quand on a envie, en fait. Il y a juste les cases pleines qu'on fait. Donc, 6 cases, ça représente ceci. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne sais pas où elle va commencer. Je ne sais pas où je vais commencer. J'ai bien envie de me faire de numéroter mes cases. Alors, moi, je suis tarée. Donc, par exemple, celle-ci, ça serait la case numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous voyez, ainsi de suite. Me faire plein de petits papiers, les mettre dans un sachet et tirer un papier par jour, enfin 6 papiers par jour, puisque, ou par semaine, c'est par semaine, excuse-moi, 6 papiers par semaine, et avec le nombre de cases, et si c'est la case 1, je ferai la case 1, si c'est la case,
je sais pas, 13, je ferai la 13. Si c'est la 28, je ferai la 28. Et je ferai les 15. En fait, ça fera comme... comme ben, quand on joue au jeu, là, je sais plus comment ça s'appelle, je regarde pas, mais bon, qu'on découvre les cases petit à petit pour découvrir la photo qui est en dessous, et ben moi, ça sera l'inverse. Il y aura des cases à droite, à gauche, et c'est de là. Bonjour, ça faisait longtemps. Bonjour, mon titi. Ben oui, c'est la vidéo. Donc, Shazam est de retour. Ça faisait longtemps. Donc ça fera donc je pense que je vais faire ça, je vais me mettre à, parce qu'en fait c'est facile à les compter vu que c'est super bien imprimé. Donc je pense que je ferai comme ça. Je vais voir avec Jackie ce qu'elle en pense et si ça la dérange pas que on fasse, enfin que moi je fasse comme ça, ben je ferai comme ça parce que ça me tente bien. Alors bonjour le chat. T'es vraiment, mais c'est tu veux faire la star, mais tu sais, t'as que 4 mois, mon gros. Allez, viens. On va faire comme ça. Coucou. Voilà, je vais descendre de la table parce que ma maîtresse en a ras-le-bol. Donc, voilà. C'est là où vous voyez jamais sa tête. Voilà, Shazam. À quoi ressemble Shazam, hein? Trop de traitance animale tue l'animal, hein. Attention, puis alors, il adore qu'on lui gratte le cou, il adore qu'on lui gratte le ventre, c'est pas un chat, je sais pas. Quand on rentre du travail, il vient nous dire bonjour comme si il était un chien. Qu'est-ce que je vais faire de toi? On va te manger? On va te manger? Puis ben demain, il a que 4 mois, donc il pense qu'à jouer. Voilà, alors là, oh, je me fais gratter, admirer. Je mords ma maîtresse, je veux jouer, mais tu fais mal. Tu commences à faire mal, hein, parce qu'avant, il faisait moins mal, mais alors maintenant, les petits crocs et tout ça. Donc, des fois, non, Shazam, non, non. Donc, voilà, la joie d'avoir un chaton. Allez, tu descends. Au revoir tout le monde. Donc, je vais en parler à Jackie de ce que, comment je veux faire. Et puis, je verrai avec elle si elle est d'accord, si elle est OK pour que moi, je fasse comme ça, en tout cas. Eh ben, je ferai comme ça. Ça sera découvert d'une case. Ça fera des petits damiers. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, sur ce, ben, je vais vous laisser. Ah, j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année. Parce que, enfin, moi, je ne fais pas le nouvel an. Je ne souhaite pas trop la bonne année. Parce que, généralement, on vous souhaite la bonne année, la bonne santé. Vous avez plein de problèmes. Donc, voilà, je pense que c'est un jour comme un autre. C'est comme votre anniversaire. Hein, vous passez une année. Donc, voilà. J'espère que vous l'avez bien. En tout cas, moi ça va, j'ai repris le travail, fini les vacances. La nuit a été compliquée parce que c'est dur de reprendre le rythme au bout de 10 jours. J'avais repris un autre rythme, donc voilà. Mais bon, là ça y est, mon dossier est en ligne parce que je vais faire une reconversion professionnelle pour travailler au SAMU, et du coup mon dossier est en ligne, donc il va falloir que je le retire. J'espère pouvoir intégrer le campus du CHU. J'ai vraiment hâte, on verra ce que ça va donner. Si c'est ça, je serai très heureuse de recommencer une carrière, toujours dans le médical, hein, bien évidemment, parce que vous bien vous doutez qu'un an plus CHU, ben voilà, hein. Forcément c'est, ça a trait à la médecine. Je suis dans l'attente, on verra, je vais monter mon petit dossier, puis on verra si c'est ça, je pars un an pour me reconvertir, parce que j'ai déjà des modules. Donc on verra bien. On espère, parce que bon, c'est compliqué la nuit, je suis fatiguée, et puis je vois plus trop mon mari, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, puisque vous allez suivre ce projet que je vais faire avec Jackie sur ma chaîne. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'unboxing ni rien, c'est vrai que j'ai pas trop investi pour l'instant, parce que... mon Dieu, mais qu'est-ce que... J'ai vous varié le stock que j'ai de point de croix. Rien que le point de croix, déjà, c'est une catastrophe. Voilà. Et puis, y a eu les fêtes et tout, donc voilà. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, bye bye les amis. Re-coucou tout le monde. Alors, donc j'ai vu avec Jackie qui trouve que mon idée est plutôt sympa. Donc du coup, elle va faire comme moi. Donc, elle a déjà fini. Hein. Moi, j'ai encore pas fait. Pendant là, vous voyez, c'est mon petit café, mon petit ricoré. Je rentre du travail. Il est 7h05 du matin.
Donc, du coup, j'ai fait pendant ma pause au travail, j'ai fait mes petites étiquettes, parce qu'on a une heure de pause, j'ai fait une heure dans l'heure, j'ai fait mes petites étiquettes, j'en ai fait 221, puisqu'il y a 221 cases. Je fais confiance à Jackie, hein, parce qu'elle les a déjà fait, donc voilà. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, je vais mélanger et je vais tirer devant vous les 6 premières cases que je dois faire. Alors, la première, c'est la 57. La deuxième, c'est la 106. La troisième, la 12. La 95. Et les deux dernières, je ne regarde pas, hein, c'est vraiment aléatoire. La 99 et la 103. Voilà. Donc, ce sont les cases-là que je devrais faire avec Jackie pour commencer. Donc, elle, je ne sais plus ce qu'elle a eu, mais ça n'a rien à voir. Je crois qu'elle a la 2, il me semble. Enfin, je ne sais plus. Donc, du coup, bah, là, pour le coup, je ne sais même pas à quoi ça correspond, puisque ce n'est pas moi qui ai fait, qui ai fait les... qui m'ai dit, enfin, c'est Jackie qui m'a dit qu'il y avait 221 cases. Donc, du coup, bah, je ne sais pas si ça va être au milieu ou sur le côté. Bah, là, déjà, la 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, bah, c'est celle-ci. Hein. Donc, moi, j'ai celle-ci, Jackie a celle-là. Ok, voilà. Ensuite, on va mettre dans l'ordre. Hein, comme ça, au moins, la 12, la 57. Hop, la 95, la 99, la 103 et la 106. Et ben voilà. Et ben écoutez, voir ce que je vais faire. Il faut que je fasse, que je surjette la toile. Parce que vous voyez, je m'en suis encore même pas servi qu'elle commence déjà à partir. Et puis, je vais préparer la toile, les fils. Je pense que je vais les mettre sur, sur petite tablette. Parce que ouais, ça va être trop mis la misère, ça va être trop galère. Il y en a énormément. Shazam! Même le matin, hein. Le matin, c'est voilà. Il y en a énormément. Enfin, c'est comme c'est du 11 CT. Et du coup, ça va être la misère. Shazam! Ça va être la misère. Donc, je pense que je vais les ranger dans sur des petites tablettes. Donc, je vais surjeter, je vais ranger ça sur des petites tablettes. Et quand je serai prête, ben, je dirai à Jackie que go, on peut y aller. Je comptais faire ça aujourd'hui. Malheureusement, je crois que j'aurai pas le temps. Parce qu'il faut que j'aille... j'ai retiré mon dossier d'inscription pour la formation. Ça y est, je l'ai enfin eu. Et du coup, il faut absolument que je fasse tous mes papiers. Et ils en demandent énormément. Donc, voilà. Donc, sur ce, eh ben, je vous souhaite... un bon petit déjeuner, une bonne matinée. Moi, je finis ma petite tricorée et je vais au dodo. Je vais me reposer parce que bah, la nuit était un peu compliquée. Donc, voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Pour, bah, je pense que je vous ferai une petite vidéo, courte pour vous montrer ce que ça donne les 6 premières cases. Après, je pense que j'en ferai pas toutes les semaines sur cette toile, hein. Je vais attendre quand même que ça prenne un peu de... que ça ressemble à quelque chose. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et bonne journée et bon courage pour le travail. Et moi, je vais au dodo. Bisous.